Calmez-vous. Donc du coup, pour ceux qui étaient là hier, petit récap rapide. Qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on a réussi notre septième épreuve, si je dis pas de bêtises, ici. Et on a eu un coup de cœur pour Misiki, enfin le Pokémon de type Pikachu décédé. Et on essaie de le trouver, sauf que hier on a fait une trentaine de rencontres, on ne l'a pas trouvé, donc on continue à essayer de le trouver, et j'espère que ça va bien se passer. Alors les modos ont entre 15 et 27 ans. C'est ça, c'est Mimiki. Il faut qu'on chope Mimiki. Voilà, on s'est dit qu'on allait essayer de l'attraper. Hier, on n'a pas réussi. Et voilà. Non, mais ils trollent les gens là, Thibaut. Ouais, mais les modos, c'est pas trop troll, hein. Quand même. Non, mais le second degré n'a pas l'air d'être le point fort de Monsieur Thibaut. Comment tu connais mon âge? Pas qui ça se trouve, les 50 balais. Parce que je t'ai trouvé sur Facebook. Il y en a un Klingel, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, virez-moi ce Thibaut là. Hein? Parce que sinon je m'en occupe moi. On va peut-être changer de Pokémon, c'est chiant le bruit des alarmes. Fais voir ton équipe. Ah oui, c'est vrai que pour les gens de YouTube, bon, je vais la montrer parce que vous ne la connaissez pas. Donc on a du coup Loup-Garrock, on a Chrysapeel. Alors pas de spoil, hein, je le rappelle. Tout ce qu'il y a après le let's play, ou comment les Pokémon évoluent, ou en quoi ils évoluent, etc., je ne veux pas le savoir, je le découvrirai en jouant. Donc on a Chrysapeel qui évoluera, maintenant je sais en quoi, mais je sais pas comment. On a Malamandre, on a Bazookan, on a Archiduc et on a Froussardine. Et du coup, on va mettre en première position ici Sop, parce que après tout, voilà. Donc on essaie de trouver un Mimiki. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Et ça serait chouette qu'on en trouve un. En tout cas, j'aimerais bien en trouver un. Attends, on se fait à haute speed là? Waouh! Bon, attends, on va essayer de le tuer malgré tout. Mais c'est chiant si on se fait à haute speed en vrai. Bon, encore falloir changer de Pokémon. Ok, très bien. Mais qui lui en 10 minutes hier? Bravo. Mais pas moi. Bon, on va essayer de faire des trucs, mais c'est un peu chiant là du coup. C'est vrai qu'on a Balgren maintenant également. Mais putain, la rapidité du Spectrum. Il faut qu'on... On va essayer de fuir, ça va être chiant. Ah bah surtout s'il appelle à l'aide. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fuir et on va soigner, je pense, Loup-Garrock parce que bah, c'est le seul qui a outspeed tout le monde apparemment. Donc on va faire ça plutôt. Sinon ça va être hyper chiant. Il est où? Il est là. Voilà, comme ça ira mieux. Je spoil pas, on l'a vu dans le let's play. C'est qui ta déception? Bah c'est l'évolution de Chrysapeel, Bloom. C'est l'évolution de Chrysapeel dont j'ai oublié le nom. Pas qui t'avais une veine pour moi hier? Ah oui, ta ville préférée de... Bah j'ai oublié le nom de la ville maintenant du coup. Ta ville préférée, Minisoft, c'est celle avec le ranch. Par rapport au Vatché, voilà, c'était tout. C'était tout. Lucanon, voilà, c'est ça. Lucanon que je trouve vraiment trop robotique. Il s'appelle comment le Pokémon Twingo? Chrysapeel, il s'appelle. Ta déception, ça explique. Mais non, pas du tout. Best Van 2016, ta gueule, Minisocle. Je t'emmerde. Emi, c'est Zoroark. Non, c'est Loup-Garrock, un nouveau Pokémon. L'évolution de Rocabo. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va réussir à avoir un Mimiki. Tu fais quoi? Tu cherches un ectoplasma? Non, je cherche un Mimiki. J'ai capturé un veau là-bas, en plus je l'ai appelé le bon veau. Ah, c'est Minisocle alors.
Même s'il gagne pas les primaires, il est quand même marrant. Voilà Katal. Salut DJ Darkflo. Putain, toi ici. Alors attends, faut que je te mette une épée du coup. Ça va être chiant. Voilà, tu es modérateur Flo Flo. Pour la peine, je ferai plus d'overlay, tu peux aller te frotter. Mais j'ai rien fait moi, wesh. C'est mini socle. Enfin, on est d'accord, DJ Darkflo, c'est bien DJ Darkflo. Et salut à ton prochain, salut à toi. Miki est easy à attraper. Il est easy à attraper, mais il est dur à trouver. C'est ça le problème pour l'instant. J'ai pas gagné les primaires, j'ai gagné le jeu concours. Alors les rageux, vous pouvez aller aux toilettes, là-haut. Bah ouais, Miki, c'est un Pikachu décédé, plus ou moins. J'aime beaucoup, mais j'aimerais bien en trouver, hein. Non, mais on a déjà fait l'épreuve, en fait. T'as rigolé à sa vanne. Moi, j'ai rigolé parce que c'était nul. Bon, on va prendre un peu d'XP sur les spectrums. Ah bon? T'as compris là-dessous. Ouais, enfin, en même temps, la fête hier. Et Loup-Garotte, t'aimes? Bah ouais, franchement, je le trouve vraiment cool. J'ai eu le temps de le trouver deux fois. Depuis que j'ai commencé, là? Alors, Rocabo, c'est à la colline d'Ikara. Ah, désolé, Aksu, du coup. Bah, c'est le problème du let's play, c'est qu'on voit des choses que tu n'as pas vues. On sait pas Enzo, bah a priori oui, mais on n'en sait rien. Bah j'ai pas spoil, c'est juste que... Enfin ça me semblait logique, mais je t'ai pas dit le reste, quoi, genre comment ça se passe, machin et tout. Je ne savais pas, Matt. Bon, Rayquaza, tu cherches un peu. Enfin, genre, on va pas te tenir la main pour y aller. Bah, merci. Merci à toi, Aksu, et bon après-midi. Bah non, sur la première île, la colonie d'Ikara, non? Je sais plus. Oh mais c'est logique Enzo ça, quand on fait let's play il y a beaucoup moins de gens. Et bonne chance Minisocle. Miki t'as 3% apparemment. Je préfère le let's play. Oui, après, ça dépend des gens, en vrai. Mais il y a des gens qui veulent pas se faire spoil, surtout. C'est pour ça que les gens partent, parce qu'ils connaissent pas l'aventure et tout ça. Ils sont encore sur les resets des starters. Ah, mais voilà, Miniki! Enfin, bordel de merde! Bon, mais ça fait plaisir. Ça y est, enfin un. Du coup, on va essayer de le capturer. Je sais même pas comment. Je sais même pas comment. Avec quoi on pourrait capturer, en vrai? On va lancer des bols directs, hein, je pense, parce que... On n'a pas des sombres bols, quelque part?
Je sais pas si ça va marcher comme ça. Attention au one shot, ouais ça va être le souci un petit peu ça. Bah du coup on va tuer le plus fort. Pour éviter qu'il nous pète la gueule en fait, hein, tout simplement. Ah putain c'est vrai que ça, y a ça qui va être chiant. Ah mais je vois pas avec quoi baisser sa vie en fait, c'est ça le problème. Ou alors, vu que lui est affaibli. Vu que lui est affaibli, on va peut-être tuer l'autre. Et essayer de le one-shot. C'est vraiment chiant à capturer ce truc. Oh. C'est quoi Force Z? C'est une mécanique de jeu qui est nouvelle, qui permet d'avoir une espèce de super attaque en fonction du type. C'est le gros bordel en vrai là. Ils sont tellement en train de m'affaiblir. En plus j'ai plus rien avec lui, ok très bien. Bah t'avances dans l'aventure et tu fais des rencontres et voilà. Un Nightbot c'est une IA. Ah là là. Oh merde, s'il m'attaque, ça va être le bordel. Non, c'est bon. Sinon, il va se brûler. C'est l'automatique du stream, c'est ça. Bon, allez, maintenant, on va lancer des bols. En espérant qu'il n'y en ait pas un putain d'autre. Il y en a un autre, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et c'est pas facile à capturer, hein. On vient de te l'expliquer, Colas, ce que c'était. Putain, les non-dégâts. Oh. Ouais, il y a vraiment une capacité de bâtard. En vrai, c'est trop chiant, là. À capturer ce truc-là. Ouais je sais Zang mais... attendez, ce qu'on va faire... Parce que autant qu'on tank en fait, hein, ça va être plus le but du jeu. Hein. Oui non c'est sûr Dark Souls mais... C'est compliqué là quand même. Hein. Bon, on va le soigner.
T'as du coup c'est long à capturer cette merde. Ah mais oui c'est vrai qu'ils sont faits en plus putain. Bah, peut-être qu'on va le capturer à lui du coup s'il est paralysé. Donc on tue l'autre et on prendra celui qui reste. Ouais, je pense qu'il va rentrer. J'espère qu'il va pas appeler à l'aide, mais s'il appelle pas à l'aide, je pense qu'il rentre. C'est bon. En vrai, c'est Chrysapil. Parce que c'est un bot en fait, Alex Blaze. C'est un robot qui aide à la modération. Bon, on a enfin notre Mimiki. Il est vraiment mignon en fait, enfin je trouve. Son apparence est si effrayante qu'il doit se déguiser pour oser s'approcher des gens et des autres Pokémon. Donc en fait il y a un truc sous le drap du Pikachu. Et salut à toi le Shadow le Gamer. Ah, c'est chiant. Ça, c'est du surnom. On ne peut pas saisir plus de 5 chiffres. Et ta mère, je sais combien de chiffres. Un peu à la Osley. Bah ouais, dans l'idée, c'est un peu l'idée, quoi. Donc du coup, il a Fantomasque. Le déguisement qui recouvre le corps de Pokémon est capable de te protéger d'une attaque, dont n'importe laquelle, ok. Donc il est bien spectre fait, copie, fin de charge. En fait, il est très tanky. Mais offensivement, c'est pas non plus ouf, quoi. Mais c'est un énorme tank sur la défense P, en vrai. Hein. Bon après, là, sur la défense, on se rend pas compte parce qu'il y a le malus, mais ça a l'air pas mal. Et dans le let's play, j'ai pris Brindibou. Donc du coup, on va l'envoyer au PC. Pour l'instant, on n'a pas... Voilà, je voulais l'avoir, mais c'est pas non plus... Non, mais il n'y a pas eu de Shiny, Emric. Ah merde, c'est pas par là qu'on sort. Il n'y a pas eu de Shiny. On reprend juste le let's play que je fais sur Pokémon Lune. L'équipe, j'ai déjà montré tout à l'heure. Je vais pas la montrer toutes les 10 minutes. Mais en gros, on a donc Lugarok, Chrysapil, Archiduc, Malassandre ou je sais pas quoi là. Et machin tout camp là putain. Machin tout camp voilà. Bon attendez je vais le montrer parce que c'est le bordel. Donc Lugarok, Chrysapil, Malamandre, Bazookan, Archiduc et Froussardine. Voilà ce qu'on a. Donc je rappelle, pas de spoil.
On l'avait loupé hier, ça. On l'avait loupé hier. Alors, on sait qu'on avait aussi un truc à faire. Que Jerry nous avait recommandé de faire hier et qu'on va faire tout de suite. Hop, et c'est parti. Donc on va récupérer le problème du monsieur. Et peut-être qu'on va découvrir quelque chose. Si la pile évolue, mais je sais pas encore comment. Et pas de spoil, s'il vous plaît. Apparemment, vous me dites, enfin un mec qui aime le Garrock de Lune. Vous faites chier, parce que je suis pas censé savoir. Et donc on découvre grave avalanche à Lola. Je suis pas censé savoir qu'il y a un loup-garrock différent sur Soleil. Essayez de respecter le principe du spoil. Bon, il s'avère que je le sais. Mais il y a peut-être des gens qui le savent pas. Donc fermez-la en fait dans ce genre de cas. Et donc on a Graboom, son Gravalanche d'Alola qui va évoluer puisque c'est un Gravalanche échangé, j'imagine. Donc est-ce qu'il conserve le même type? En tout cas, je préfère ce Gravalanche et ce Racaillou que ceux d'avant. Donc toujours rush électrique, il se dispute les cailloux qu'il mange, les chocs des deux gravalanches provoquent des explosions et des flashs lumineux. Eh bien d'accord. Je regarderai, j'allais, t'inquiète pas. Il y a une musique différente pour les évolutions en échange alors. Et donc on découvre donc le Grolem Alola, que je trouve marrant, en vrai. Franchement, je le trouve marrant. Ah, il est plutôt sympa, ouais. Je sais pas ce qu'a été leur délire avec les cheveux et la barbe, mais... Donc il y a toujours Roche électrique, lorsqu'il n'a plus de pierre à portée de main, il ramasse les cailloux traînant par là pour les projeter grâce au canon sur son dos. D'accord. Ouais, donc en gros, c'est... je vois l'idée. Non, franchement, il est sympa. Et lui, il a récupéré donc un ectoplasma. Donc, attends, on va regarder. Donc, il a une rocazélite. On va regarder. Donc, il a anti-air, point éclair, destruction, piège de roc. Et il a manier-piège en talent. D'accord. Alors, du coup, je trouve pas ça ouf parce qu'en fait, bloquer des Pokémon acier. Quand t'es un Pokémon Roche électrique, du coup tu prends des dégâts neutres, c'est pas non plus ouf ouf quoi. Mais bon. Et salut Amdou Gemma. Bon bah écoute, je trouve pas le talent ouf, mais c'est déjà ça, donc voilà. Bon du coup on va aller là où on doit aller. Je sais plus pourquoi on doit y aller, mais on va y aller. Pour la chasse, c'est goldé. Oui, non, mais c'est goldé pour la chasse, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux avec manier piège. Voilà, il faudra battre tout le monde. Et donc, on va ici. Et merci pour vos abonnements. Et salut, Manian Neko. Ça fait deux fois qu'on la bat elle en vrai. Elle veut toujours pas nous lâcher la grappe. Ah putain, ils font chier. Oh mais non. Ça peut être long, hein. Voilà. Ouais, maintenant il évite l'attaque, mais putain, mais mange tes morts, non.
Oh là là. Il me semble pas, Mathieu. Ah oui, si, j'ai peut-être fait, je sais plus. Ah oui, si, si, on l'avait fait. Et du coup, spoilez pas ce genre de choses si vous êtes pas sûr. Là, pour le coup, c'est pas grave, mais. Alors, non, Ramnam, je fais un let's play. Vous savez que c'est pas chiant, hein. Évidemment. Bon, on verra bien. Mais spoilez pas, s'il vous plaît, encore une fois. Bon, enfin. Ah, le vieux avec ça, là. Non, je joue pas avec Clash Royale. Bon, ça s'est plutôt bien passé en dehors du début avec le vent de folie là. J'ai pas du tout Zang. Mais c'est possible. Hein. Donc il faudrait aller à la planque de la Team Skull, très bien. Ils ont dû faire du mal à Lily en vrai. Oui, Radam. Ils ont volé mon glouton, oh non. Bon, on va du coup aller sur la route 15 pour essayer de sauver le mon glouton. Bon, bah du coup, ouais, on passe au centre Pokémon et puis on y va. Le Tauros bien connu hein, dans les escaliers parce que sinon c'est pas marrant. Est-ce que tu penses à un certain personnage d'un certain Pokémon qui t'a paru particulièrement difficile à battre? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Je dirais que pour l'instant, les combats qu'on a eu les plus difficiles, c'est parce qu'on ignorait le type d'un nouveau Pokémon de l'adversaire. Mais sorti de ça, il n'y a pas vraiment eu de difficulté, je dirais. Donc on est parti pour la route 15. Ramdan, on va faire un truc simple. Ici, on joue à Pokémon, on parle de Pokémon. Si c'est pour me proposer d'autres jeux que t'as, j'en ai absolument rien à foutre, en fait. Voilà, on va faire ça comme ça. Salut Dark Pixel, salut à toi. On avait qui en premier? Ah oui, non, c'est bon, ça va le faire. Ah quoi, non? Attends, il est glace acier? Ah, je sais plus ce qu'il est. Ouais, si, c'est glace acier. Ben voilà. Bisous. Non mais je sais pas, oh, je sais pas de quelle ossature il s'agit. Comment tu vas sur PC? Je suis pas sur PC, hein. Je suis sur 3DS, c'est juste que j'ai un 3DS Capture Board.
J'ai mon flamme irréel à côté de moi. Oh. Ils sont enfuis en bateau, les MTP? Sardine est cool. D'accord, on récupère la monture Sharpedo. Merci beaucoup, vieil homme inconnu en kimono. Donc Sharpedo avec turbo pour pulvériser les rochers. Ok. J'ai arrêté quoi en 10 minutes? On a eu Mimiki, on a battu la Team Skull et on doit aller sur la route 16. Ok. Ah mais c'est pas ça que je voulais moi. Voilà. Ah bah il a disparu le... Voilà. Ah, c'est Pierris qui est dans le conseil des 4 noir et blanche. Putain, je m'en rappelle tellement plus. Et re le troisième clan. C'est un jet ski en vrai le truc. Il n'y a rien de ce côté. Bon, on explore tout. Hein. Là pareil, il m'a pas vraiment marqué la ligne noire et blanche. Donc pas de nouvelle forme pour Tentacool. De ce côté, on fera le tour dans les autres après. Hein. C'est la plus simple des ligues, plus ou moins, ouais. Donc il y a des Pokémon dans les cailloux, ou alors c'est en surfant que rencontre un Pokémon. Ouais, non, ça doit être en surfant. Le Titanic a été coulé par Sharpedo. Ok. Je prends un risque parce qu'on est quand même de type proche. Hein. Ouais, non, c'est chiant. Voyons. Ouais, quand même. Bon, c'est un coup de type, ok. Bah, ça, j'avoue que enlever les CS, c'est une sacrée idée. Ouais. Bon, en soi, ce qu'on va faire. Je vais remettre Chrysapile en premier parce que bah, il est Pokémon haut tout bêtement. Il n'y a pas d'objet, ok.
Attendez, est-ce qu'on est allé au bout là-bas? Je sais pas. Ouais, il y a un autre dresseur. Ah non, mais c'est le même en fait, je suis débile. Il y a une autre plage par contre là-bas au bout. Bon, on va voir ce qu'il y a un peu ici. J'ai un tel. Bien sûr que j'ai un téléphone, mais je vais pas te donner mon téléphone, c'est quoi ton problème? C'est quoi cette communauté en vrai sur YouTube? Je pense qu'il y aura un remake 4G, ouais. Oh, un Goopix nouveau! Il est mignon, en vrai il est mignon. Alors est-ce qu'il serait de type différent? On va tenter ça. Bon, il a toujours feu follet. Ah non, c'était pas feu follet, je sais pas ce que c'était. J'ai même pas fait gaffe. Bon, coup critique, donc ça ok. Ah, il est joli, Goopixel là, ouais. Et Redraiser. Gaz de type. Moi, je dirais glace en vrai. Glace-feu. Je pense que c'est assez novateur et c'est assez nouveau, glace-feu ou glace-spectre. Je vois un truc à peu près comme ça. Mais glace-feu serait cool. Oh merde. Ah, je pense qu'un remake 4G serait le bienvenu, ouais. Allez, attaque, sop. Oh. Ça peut être de la fusion à froid, Jerry. On va regarder l'index de toute façon après. Ce que ça pourrait être. Enfin, on va regarder le type de Goopix. Non, mais non, mais qu'est-ce que je fais moi? Attendez, coup de jus, c'est spé ou pas? Parce que étincelle c'était physique 65 et là c'est spécial 80, donc oui, non, on s'en branle. En fait. Bah, Goopix ça a l'air sympa, ouais, on verra bien. Chut, Tida, et alors? Fais dans ton panier. Au panier. Eh! Non, bon, je vais la mettre dans le couloir sinon elle va aboyer, j'arrive. Désolé pour les aboiements. Vous pensez à prendre coup de jus? Bah non, parce que c'est spécial et je m'en branle. Gros taux de para. Bah étincelle aussi, en fait, c'est 30%. Il serait temps de réviser tes beaux, Jerry. Bah désolé pour les sursauts. Donc on va regarder le texte pour voir pour Goopix du coup. Il est où? Il est là. Et il est glace tout court. Très bien. Bah il est glace tout court alors. Et re... Si je te donne ce conseil, c'est qu'il y a une raison. Bah écoute, on verra bien. Mais... tant pis. Et on a éclair fou. Ça oui, ça d'accord. Ça déjà plus. Bon, on va regarder s'il y a des nouveaux Pokémon ici. Salut. Bon, y a, je pense pas qu'il y ait des Goopix ici, mais pourquoi pas. Après, j'aime pas trop les attaques à dégâts de recul, donc je vais pas lui apprendre pour l'instant, mais à terme peut-être. Genre avant la ligue ou quoi.
On verra bien. Oh, Bekipan et Crachin. Oh, c'est OP as fuck ça. Il est insecte électrique, Enzo. Ah, Bekipan Crachin, c'est pas dégueu. Hein. Enfin, c'est pas ouf, mais c'est sympa quoi. Bah, franchement, c'est cool. Mais il y avait peut-être déjà en talent de mémoire, c'est juste que Bekipan. Vous la verrez bientôt l'évolution, enfin quand il pourra évoluer, on l'a vu hier nous dans le let's play, puisqu'on l'a affronté, mais voilà, j'en dirai pas plus. Et salut Raphaël Fortin. Je vais faire sur les lunes. Pour l'instant j'en sais pas assez des deux versions et je vois pas trop les différences entre les deux pour me prononcer. J'attendrai d'avoir fini les deux pour pouvoir vous dire. Donc dans quelques mois, puisqu'on va faire un Shiny Quest sur Soleil. Donc je vais pas avancer très vite dessus. Bon, il n'y a pas grand chose ici. Bah, j'ai peut-être loupé des Pokémon, mais de ce que du peu que j'ai vu, c'était pas ouf. Donc, du coup, on va aller vers là-bas. Bon, il y a quand même des Pokémon dans les rochers. Il y a combien de chenilles par version? Cette question n'a aucun sens. C'est des mêmes. Enfin, c'est pas une question quoi, c'est. Ouais, Killer Gamer va te faire foutre au final, hein, si tu viens pour spoil. Hein. Ok, comment on va procéder? Non, non, non. Comme ça. Voilà. Ouais, on prend la bite. Hein. Ouais, voilà. Après ce combat, on va mettre. Comment ça s'appelle Archiduc en. À la place de. Enfin, en deuxième position pour les combats doubles. Ah. J'ai mal à un œil. Je sais pas ce que j'ai. Top est déjà puissant en étant un cocon, j'imagine même pas quand il évoluera. Ouais, non, c'est ça le truc qui est ouf avec lui. Et salut Spring Day. Alors, pas de spoil, je le rappelle, je ne sais pas comment il évolue, machin et tout. On ne parle pas des Pokémon qu'on n'a pas vu, on ne parle pas de l'histoire qu'on n'a pas encore vu, on ne parle pas de tout ça. Je vous remercie d'avance de respecter tout ça. Allons voir dans l'eau déjà ce qui se passe. S'il y a des choses ou pas. Il y a quelqu'un. Non, là, il n'y a pas de spoil, mais je préviens. En fait. Tout simplement. Oui, non, par contre, c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir un Pokémon insecte qui change de l'habitude, qui évolue tard, même avec sa première évo, qui est fort, qui a des attaques variées, etc.
Bon, on verra bien du coup pour son évo. Après, je sais en quoi il évolue, mais je sais pas comment. Y'en a marre de la confusion, ouais. Allez, allez, allez. Attaque. Oh. Pour l'instant, le problème, c'est un peu sa vitesse, en vrai. Mais sorti de ça, il est vraiment génial, ce Pokémon. Oui, voilà, il y avait Pyrax, mais à part ça... Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'XP dans les jeux, dans l'aventure comme ça avec les dresseurs, les Pokémon Sauvages qui donnent beaucoup d'XP et tout ça, il y en a plus que d'habitude j'ai l'impression. Donc on est toujours bien au-delà du niveau des adversaires. Donc là, il y a de la pêche, hein. Ok, ok, on dit rien d'autre. Hop. Oui, non, je profite de mon avance, simplement, je trouve ça un peu chelou, en fait. Bon, il y a un centre Pokémon, donc on va y aller, avant toute chose. Mais non, c'est vrai que ça, enfin, clairement, hein, depuis la 6G, c'est de plus en plus assisté. Salut Florian Pokémon. Alors, les règles sont pas de spoil, pas de tout ça. Voir Astérie et Prédastérie. Du coup, toutes leurs attaques sont des coups critiques. Donc, genre... Oh, c'est OP as fuck, ce truc aussi. Ok. Couvert d'un genre de sac sur le site désaffecté de l'ancien Bradley Petri. Bah. Je l'ai déjà trouvé. Et voilà. Et on commence à être riche en vrai. Ok. Ah, c'est Florian Ball, ok Florian. Ça se casualise, mais plus haut dans le jeu, c'est plus stratégique. Et bah, écoute, on verra bien. Je vais aller là-bas. Ça doit être par la maison. Hein. Ah putain, ça y est, on a trouvé le labo. Ok. Passe sous le bâtiment, on va voir. Ok, bon, donc on peut créer des Aigardes avec les cellules qu'on retrouve. Ok. D'où les trucs qu'on avait vus dans Pokémon Shuffle. Ok, 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 ok. On va essayer des trucs, hein.
pas du tout ce que je suis en train de faire. Ah non, mais non, j'ai pas envie de faire ça comme ça, moi. Ah non, non. Bon, on verra plus tard quand je m'y connaîtrai mieux, parce que là, je trouve que c'est de la merde. Tu joues à Shuffle? J'y jouais avant, maintenant, ça m'embête un peu. Ah, bien vu, Jerry. Bien vu. Non, je l'aurais pas vu, celui-là, je pense. Il ne s'était pas dégueu. Bon, on l'a déjà sur notre insecte, mais pas dégueu. Faut mettre boîte Zygarde. Ah, on va peut-être essayer avec boîte Zygarde, là. On va regarder, là. Un nouveau Zygarde est né. D'accord, ok. Il rentre dans une Pokéball. Oh, il pète le style en vrai. Bon, je l'avais déjà vu, mais je savais pas trop ce que c'était, mais ok. Donc on a Zygarde 10%. Là, je trouve qu'il pète de ouf en vrai. Un Pokémon légendaire. Dragon Sol, la forme Zygarde prend lorsqu'il rassemble environ 10% de ses cellules. Il est capable de se déplacer à 100 km/h. Franchement, il est grave cool. Ah, c'est chiant. Voilà, c'est chien de Zygarde. Bon, tout ne passe pas, mais c'est pas grave. Il faut le promener à chaque poste du stream, exactement. On va regarder du coup ses stats, mais je sais pas si on va le prendre dans l'équipe en vrai. Il est niveau 30, Rune Protect, Tunnel, Étreinte et Force Chtonienne. La puissance du sol, la constante pour infliger des dégâts. En vrai, il a des bonnes attaques, il a des bonnes stats. Bon, il a une nature neutre, mais il a des bonnes stats. Son talent, c'est inverse l'effet des auras en baissant leur puissance. Alors du coup, je comprends pas ça. Et ça va bien sur Internet. Ça va bien. Est-ce qu'on le prend? Dragon seul. Non, vas-y, je l'envoie au PC, on verra. Ouais, il a une Tellurie Force physique, en fait. Donc, même si CX m'existait déjà, hein, mais on va le mettre au PC, mais en tout cas, c'est cool d'en avoir un. Hein. Et puis, on verra plus tard si on verra plus tard. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, c'est où qu'on devait aller, nous? Parce qu'en soi, il y avait une route là-bas, aussi. Son talent, c'est rencontrer Xamas et Vital. D'accord. Ah mais ici en fait il n'y a pas grand chose, on le voit, donc on va juste aller ici battre le mec et se promener dans l'herbe. Il y avait un mec là? Oui, il y avait un mec. Prends-le, bah non. C'est ce que je veux. En fait, si je le prends par rapport à ces types, il lui fallu du coup que je vire Loup-Garrock. Et j'ai pas envie parce que j'aime beaucoup. Bon bah du coup, le choc des titans. Bon voilà. J'ai 10 niveaux 11 niveaux d'avance, donc bon. Bah non, pas acrobatie, Jerry. C'est neutre acrobatie et c'est pas stabé. Donc non. Puisque c'est efficace contre les insectes, mais peu efficace contre l'électricité, donc ça devient neutre. Oh, Grotanemort en forme Alola. Il est vachement cool, je trouve. Il est vachement cool. Bah, c'est neutre, insecte sur insecte, j'ai rien. Et toutes mes attaques étaient neutres, en fait. Sauf étincelle qui aurait été peu efficace. Et merci, Guigui. Et insecte est neutre sur insecte. Mais c'est marqué, en fait, si je regarde. Hein.
Alors pas de spoil, je vous le rappelle. Mais c'est vrai, pourquoi je fais choc venin, moi, je suis bête. Là par contre je suis débile. Ah bon, ok, on en est là. Imposer les bretelles mortes, non, respect. Ouais, c'était le but du jeu pour un peu le fun, quoi. Bug. Non, c'est pas un bug, c'est la capacité spéciale de du Pokémon que j'avais, de Malassandre. Ah, il y a un bug sur le stream, apparemment, ouais. Ça a freeze. Ça a freeze, ouais. Autant pour moi, mais c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Du coup, il y a peut-être plus de décalage qu'avant, par contre. Je m'y intéresse un jour au truc de loisir. Hein, parce que... Jardin du Lalula. Bon, déjà, il y a un truc Zygarde là-bas. Et attendez. Il y a un truc qu'on a oublié de faire. Il y a un truc qu'on a oublié de faire. Vous pouvez rafraîchir pour le décalage, j'imagine. Hop. On va récupérer notre pognon et notre cadeau quand même. J'ai jamais utilisé encore la force Z avec Zapil. Je crois pas l'avoir utilisé pour l'instant. Ah si si, que j'avais trouvé ça joli en fait. Si si, j'ai utilisé. Mais à Mako, très bien, et chez moi ça ne freeze pas, sachez-le. Pourquoi j'ai fait blé croire, putain? Je pensais que ça restait sur l'étincelle. Salut Dolphking, pas de langue à la SMS ici, s'il vous plaît. T'as le coup de foudre, MDR. Quand tu es pour streamer? Bah, je stream. J'avoue que je comprends pas la question d'ailleurs. J'en 3DS 4 sur board si c'est ça ta question. Pas de langue à la SMS, s'il te plaît, Dreskin. Écrit français correctement. Je l'ai eu où? Bah, j'ai acheté. C'est payant. Bah ouais, ça coûte 470 balles. Donc plutôt payant, je dirais.
Faites une petite recherche Google, vous aurez renseigné. Et ça va très bien, tu es trop beau. Bah, c'est génial. Tu m'as l'air bizarre, toi. Les modos, préparez-vous. Sur quel site Gaston? Mais tu cherches 3DS Capture Board sur Google, tu le trouves le site en fait. Je suis pas ta mère, hein. Je suis pas là pour te tenir la main. Je m'en bats les couilles, je te le dis, 3DS Capture Board. Si tu sais pas le taper sur Google, c'est pas mon problème, Sayan. Genre, si t'arrives, c'est quoi cette agressivité de merde là? Y aurait pas des nouvelles formes de machin ici? C'est peut-être pas des fleurs, je sais pas le moment, par contre. D'ailleurs, avant d'entrer sur cette route, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cut le record et on mettra cette partie du coup sur YouTube. Voilà.